regarder des films, des séries, des vidéos dans une langue étrangère sans se décourager, en gardant la motivation et le sourire? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo en vous donnant 4 conseils pour regarder efficacement tout en gardant l'esprit positif et le sourire des vidéos et des séries, toutes sortes de choses en langue étrangère. Si vous avez envie de découvrir ces conseils, c'est parti! Blog Grandir en langue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver et comme je vous le disais, aujourd'hui je vais vous partager des conseils pour regarder avec le sourire des films, des séries, des vidéos, tout ce que vous voulez dans une langue étrangère. Bon, justement, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à découvrir la précédente vidéo dans laquelle je vous partageais 4 raisons de regarder des films ou des séries dans une langue étrangère. Voilà. Vous pourrez comprendre pourquoi c'est si important, pourquoi je vous le conseille et pourquoi j'en parle beaucoup. Si ce n'est pas fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à me laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Forcément, quand vous allez commencer à regarder des vidéos dans une langue étrangère, au début ça va vous paraître hyper difficile, ça va vous paraître long, ça va peut-être même vous paraître ennuyeux. Donc c'est pour ça, avancez petit à petit. Quand je dis petit à petit, ça peut être au début 5 minutes. Par jour ou tous les deux jours en fonction du temps que vous avez. Vous commencez par regarder un film ou une série que vous aimez 5 minutes dans la langue étrangère. Ensuite vous arrêtez. Le lendemain vous y remettez, vous regardez 5 minutes ou vous augmentez un petit peu. Après vous allez regarder 10 minutes, etc. En fonction évidemment du temps que vous avez, de comment vous le sentez, etc. Vous pouvez faire en même temps, dans le fait d'avancer petit à petit, c'est au début de regarder 5 minutes avec les sous-titres. Ensuite un peu plus longtemps avec les sous-titres. Ensuite cette même durée mais en enlevant les sous-titres. Ensuite, en laissant les sous-titres en français, etc. À vous de voir, mais vraiment retenez ça, avancez petit à petit. C'est ce qui vous permettra d'avancer aussi sereinement et de toujours garder votre motivation et votre sourire. De pression, ça doit rester vraiment 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 un plaisir. Regarder des films, regarder des séries, c'est quelque chose qui vous détend, c'est quelque chose normalement qui vous permet de passer un bon moment. Donc ce n'est pas parce que vous le faites dans une langue étrangère que ça ne doit pas être un bon moment. Donc pas de pression, avancez à votre rythme. Et si au début vous regardez seulement 10 minutes dans la langue étrangère et qu'après vous repassez dans votre langue ou en français ou dans une autre langue, c'est pas grave, on est tous différents, je vous le rappelle. Nous ne sommes pas tous égaux face à la compréhension. Il y a des personnes qui vont avoir l'oreille plus développée, donc qui vont comprendre plus facilement en fonction aussi de notre histoire, en fonction des langues qu'on a entendues. Voilà, en fonction de notre langue maternelle, on va plus ou moins avancer rapidement dans la compréhension. Comme il y a des personnes qui sont plus douées en musique que d'autres, comme il y a des personnes qui vont plus facilement écrire que d'autres, c'est une question de beaucoup de choses, de personnalité, d'éducation, de caractère, etc. On n'est pas tous faits pour la même chose, donc pas de pression, mais vous pouvez y arriver en avançant petit à petit et en vous faisant confiance. Regardez des choses qui vous font plaisir. Moi je dis toujours regardez les mêmes choses que vous regarderiez dans votre langue. Peut-être que vous au début, si c'est plus facile, vous allez commencer par des choses plus simples. Pas de honte, vous pouvez regarder des dessins animés ou des choses pour les enfants. Quand on apprend une langue, on recommence à regarder des choses qui sont plus bas que ce qu'on regarderait dans notre langue étrangère. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait naturel et c'est très bénéfique aussi pour l'apprentissage. Donc, mais surtout, 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 regardez des choses qui vous font plaisir, qui vont déjà le sourire, qui vous, voilà, vraiment vous toucher et vont vous donner le max d'émotions positives quand vous le regardez. Parce que franchement, il faut être honnête, si vous regardez déjà à la base un truc qui vous saoule et qui ne vous intéresse pas dans la langue étrangère, ça va être affreux, vous allez forcément rien comprendre. Et en plus, vous allez associer la langue à quelque chose de négatif qui ne vous plaît pas. Donc il n'y a rien de pire pour ne pas progresser et pour garder un peu un état d'esprit négatif. Donc voilà, regardez des choses qui vous font plaisir, faites-vous plaisir. Retenez que voilà, apprendre une langue, ça se fait vraiment avec le positif. Notre cerveau en a besoin et il apprendra plus efficacement. Donc il... Ce n'est pas non plus une baguette magique. C'est pas parce que vous allez regarder des séries pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, que vous allez tout d'un coup devenir bilingue sans rien faire. Évidemment, ça peut beaucoup, 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 énormément vous aider. Si vous regardez ça par exemple pendant un an, ça peut vraiment tout changer dans votre apprentissage. Vous pouvez vraiment
beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux comprendre, beaucoup mieux parler parce que tout est lié. Mais voilà, ça ne se fait pas non plus tout seul. Ça ne peut pas non plus remplacer complètement des cours si vous en avez besoin. Ce n'est pas regarder des séries, par exemple, qui va vous donner des explications de grammaire, qui va vous expliquer des points précis. Ça peut vous aider à les intégrer, à les utiliser. Voilà. Mais ça ne va pas vous donner toutes les explications. Donc c'est important d'en avoir conscience. C'est quelque chose qui va vous permettre de travailler. C'est un outil, c'est un exercice, mais ce n'est pas une baguette magique et ça ne remplace pas tout. Voilà, donc en fait ça conclut un peu tout ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre de pression. C'est pour ça qu'il faut avancer à son rythme. C'est pour ça qu'il faut faire en même temps des choses qui nous font plaisir et qui vous correspondent. En série, en film, on n'a pas tous les mêmes goûts. On avance chacun à notre rythme, selon nos besoins, selon vos objectifs, selon vos langues, etc. Et voilà, mais rappelez-vous quand même une chose pour finir, vous êtes tous capables d'y arriver. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Vous en êtes forcément capables. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous donner envie de persévérer, de continuer à regarder des vidéos ou des films dans une langue étrangère. Passez aussi le message à vos enfants si vous en avez, à vos personnes autour de vous. C'est vraiment quelque chose qui est important de partager parce que franchement c'est super chouette de pouvoir faire ça, ça permet de progresser tout en faisant des choses qui nous font plaisir, une expérience personnelle. C'est vraiment quelque chose qui a fait toute la différence pour moi quand j'ai appris l'allemand, quand j'ai commencé à regarder la télé en allemand. Clairement il y a eu un avant et un après. Donc ça peut vraiment tout changer dans votre apprentissage. Donc franchement, faites-vous plaisir. Je vous retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao !